Oui, c'est Kalten, et c'est parti pour la 18ème partie du Let's Play sur Castlevania Circle of the Moon sur Game Boy Advance. La dernière fois, on avait un petit peu exploré pour essayer de trouver quelques derniers trucs que j'avais pas encore trouvé. Là, je vais un petit peu continuer, mais je vais essayer d'arriver relativement vite quand même. Si j'avais oublié ça, voilà. J'ai quand même essayé d'aller relativement vite voir le comment ça s'appelle, Dracula, le boss du jeu. Il va être temps bientôt. Oups. Voilà. Je regarde un petit peu. Ok. Rien. Oups, je suis descendu un petit peu beaucoup. Ok, alors là où je voulais aller, c'était par là. Enfin, si l'hippogriffe veut bien se laisser battre. Non. Tiens, voilà. Non, mais oh. Qu'est-ce que c'est par là ou rien? Ok. Armure sainte. Quand tu veux, voilà. À un moment, faudra que j'apprenne à être plus réactif pour esquiver les attaques. Voilà. là, je voulais aller voir là. Ah! Ah! Bague d'intelligence! Que j'ai déjà en 4 exemplaires en fait. Je m'en étais même pas rendu compte. Oh! Oh, génial, je peux essayer de le battre comme ça. Si ça, c'est pas génial! Bon, j'ai déjà bien amoché, hein. Par contre, ouais, la vie, je la prends. Voilà. Non, mais où quand même. Ok, donc j'ai une idée, je vais descendre tout en bas. Voilà, en essayant de pas trop me prendre des dégâts. De toute façon, c'est inévitable, ça de se prendre des dégâts. Je sais que t'es là. Je sais que t'es plus là. Voilà, là, on revient dans les... Ah non, pas encore dans les catacombes. Donc voilà, j'essaie de faire le plein quand même. En cœur. C'est important. Parce que bon, si jamais je veux aller affronter Dradra, il va peut-être falloir à un moment que je lui lance des crucifix. Et sans cœur, ça va être compliqué. Donc bon, je compte pas farmer pour farmer. Mais... Ah mais j'ai déjà vu ça. Ouais, j'ai déjà vu. J'ai pas... Hey! Bah tiens, bouffe de mon... De mon bouclier de feu, armure de la forêt. Oh bah là, il y a une... Je vais sauvegarder maintenant, hein. Nous ne sommes jamais trop prudents. On va aller ainsi, tout tranquillement, à la salle de Dracula. Je me demande... Ah ouais, pour le niveau suivant, c'est un peu... C'est un peu beaucoup. Ah merde, c'est vrai qu'il reste vivant, lui, après. Ça, c'est bon. Encore un ! Aïe. C'est beau l'espoir.
Ah, voilà. Non. Allez, tant qu'il n'y a pas d'ennemis. Oh putain. Voilà. 273, je peux en avoir 300 max. Voilà. Tu te calmes. Eh, je suis bientôt à mon max. Non mais je vais avoir mon max pour affronter Dradra. Il m'en manque 9 pour être au max. Il m'en manque 8 pour être au max. Aïe. Il m'en manque 3 pour être au max. Mais non. 298. Oh, il fait mal. Franchement, c'est quoi ces bombes qui font moins mal que des os? Voilà. Hop. Alors. La salle est en face. Voilà, c'est une warp zone. Et du coup, bah voilà. La salle dans laquelle je voulais aller. J'ai mon max. 300 sur 300. Parfait. Ah. Je suis content que les ennemis aient pas été remaniés dans cette salle, hein, quand même. Bon, maintenant, le tout, c'est de pas se prendre des dégâts maintenant. Bon, j'avoue que je stresse un petit peu, mais bon. Ça va le faire, n'est-ce pas? Bon, je suis où maintenant? Pas encore au bon endroit. Mais bon. La chambre de cérémonie. Wow. Je dis oui. Genre, je suis obligé de faire ça, quoi. Là, y a rien. Bah non, y a rien. Bon, on est prêt? Non, mais on y va quand même. You have done well to come so far, master. Timing impeccable, le temps pour l'heure du rite est venue. Ton âme est déjà devenue une autre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je vais enfin finir un Castlevania? I just increased that desire, that power. Si je me mettais en magie, oui. Ok. Ok! Ah, si je me souviens bien, par contre... Enfin, on va voir, mais... Well... Je vais utiliser un autre... Je vais utiliser le bouclier de glace. Ok... A priori, ça a l'air de venir toujours dans le même ordre. Ah bah ouais, génial. Je sais pas comment esquiver encore ça. Ah! Oh là là, il fait tellement mal. Et ça vient pas dans le même, tout le temps dans le même ordre, effectivement.
Ouais, parce qu'en fait, les chauves-souris ne se... Elles ne se battent pas avec le bouclier, donc... Est-ce que ça marcherait? Non. Aïe aïe. Bah attends. On va faire comme ça, parce que de toute façon, ça ne marche pas. J'augmente mon attaque. Et ces trucs, je sais pas du tout comment les éviter, quoi, par contre. Level up, mais ouais, bah du coup ça me régène pas ma vie, quoi. I need my full power. Bon, j'ai battu la première forme. Chasse-le, ne le laisse pas s'échapper. Je vais m'occuper de père. Poursuis-le. Ok. Mes pères, mes maîtres à l'abri. Mais oui, tu me connais. Est-ce que j'avais moyen de sauvegarder? Je pense pas, hein. Deux cent sept, je vois. D'accord. Oh putain, je suis tombé sur ses chaussures. Ah, c'était ridicule. Mon Dieu. Voilà. Ah, faut se retaper la cinématique par contre, je crois. Allez. Allez, on a déjà vu. Aïe. Donc a priori, ces trucs-là sont trop galères à esquiver. La merde. Et il faut que je me mette à la distance vraiment précise. Voilà. Câlin. Wouhou! Oh putain, que deux! C'est nul! Là, c'est mieux! Aïe! Et arrête d'envoyer les jaunes, s'il te plaît!
C'est bon. Fait deux niveaux de plus. Toujours bien. I need my full power. Oui, on le sait, on sait, on sait, on sait. Ne le laisse pas s'échapper, je vais mettre père à l'abri. Bali Dracula et sors sain et sauf. Voilà. Ouh. Alors j'aimerais bien par contre récupérer un peu de cœur. Je suis niveau combien là? 44. Bon par contre pour le next c'est mort. Hein. Concrètement. Mais. Bon, c'est pas avec des cœurs à 1 que je vais faire grand-chose. Oui, je me plains. Sauvegarde. Je pensais pas qu'on pouvait sauvegarder entre les deux. Mais en fait, j'ai lu qu'on pouvait. Oui, alors ça, par contre, c'est une très mauvaise idée de se faire toucher, maintenant. C'est pas que ça risque de jouer à un point près, mais ça peut. Donc voilà. Alors que je peux avoir 304. Bon. Ben, je pense qu'en 260, c'est entièrement faisable. Je pense que on y est. Ouais, c'est bon. À nous deux, Dracula. Ah. Wouhou. Ok, alors là, en fait, je pense que c'est comme pour Camilla. Ça, c'est une attaque qui sera moins chiante avec ça. Ah, oh, j'ai mal lancé le crucifix. Faut toucher l'œil. Ça semble logique. Mais, voilà. Sérieux? Allez, venez vous écraser sur mon bouclier, les trucs moches, là. Well... Eh, mais c'est pas possible. Non, mais 207. Je suis censé esquiver ça comment, moi? Eh non, ça marche pas. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même vachement tendu avec ces météores. Aïe. Ah, il m'a empoisonné. Génial.
Bah oui, bien sûr, j'allais te le dire. Non, c'est quoi cette attaque complètement pétée? Mais... vous allez pas m'embêter bien longtemps. Oh, sérieusement? Voilà. Non. Ah. Pas mal ça. J'ai pas mal de... pas mal eu de cœur, mais... mais ça me fait toujours flipper le... l'attaque avec les météores là. C'est chaud, quoi. Est-ce que je suis bien au bon endroit? Oui. Bon, j'ai peut-être pas été assez attentif, mais... mais non! Bon. Attention! Ça fait toujours 30 en plus. Allez, voilà. Oh, mais... sérieusement, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est là, ce Crucifix? C'est moi qui l'ai lancé? Enfin, je suppose, oui, que c'est moi qui l'ai lancé, mais... je m'en suis même pas rendu compte. C'est là où la hache, c'est pas mal aussi. Non! Faut faire attention à qu'est-ce qui clignote dans son corps. Allez, vas-y, allez-y, écrasez-vous. Bien! Et voilà. Oh! Je crois que c'est la dernière forme. Il faut esquiver avec les kickboots. Parce qu'en fait, il nous fonce dessus, hein, ni plus ni moins. Et à partir de là... voilà. L'œil de Dracula, il est là. Et c'est lui qu'il faut toucher! Hop! Hop! Olé! Plus rien. Où es-tu, œil? Tu es là! Aïe! Ouh! Ça fait mal ça. Il me reste combien de points de vie? 167, ça fera l'affaire, hein. Ah, je sais plus. Tiens! Olé! Ah! Je l'ai pas eu une seule fois, merde! Ah! Bon, bah, je l'ai pas eu une seule fois. Remarque, je dis que... ça va, mais... enfin, c'est le moment ou jamais d'utiliser mes trucs, moi. Oh non, mais... sérieusement! Cette transformation, ça a vraiment l'air d'être la plus facile, j'ai pas envie de mourir maintenant. Mais non.
Par contre, la console, ça la met en PLS, hein. Où es-tu, petit œil? Il est là. Ouh, je sautais un peu tôt. Ah merde! À direct les bouches, d'accord. Ah, tonto. Bon. Alors là, je sens venir le truc. Voilà. J'en étais sûr. Hop là. Et hop là. Bon. J'ai toute ma vie. Ne nous plaignons pas. Je crois que je l'ai eu. Et donc, je dois la frapper environ 50 fois, je crois. Là, ça fait 3 coups que je lui ai donné, je crois. 4. 5. Allez, c'est parti. Non, attends. De l'autre côté, parce que j'ai plus l'habitude. Aïe! Et non! Je sais pas si je l'ai eu. On va rester sur 7, hein. Toujours très, vraiment, vraiment faire gaffe à éviter la version grande, parce qu'il inflige plus de 500 points de dégâts. C'est assez énorme. Aïe, oh putain. Bon, je crois que je suis encore à 7. 8, 9. Neuf ou 10. Je sais pas. Hop. Donc là c'est 2, 3 ou 4 fois hein, le nombre de charges de Dracula grand. Ah, on va dire 10. Douze. Treize.
Oh non. 14. Quoi? Mes boucliers de merde. Hop là, alors attends. Chose importante. On va utiliser mes objets de soin. C'est tout ce que j'ai, malheureusement. Je crois que je l'ai touché. On va dire 17. Bon. J'en suis pas encore à la moitié. Hein. Non mais sérieusement, mais... Pourquoi? Pourquoi je suis touché? Je sais pas si je devrais pas envisager de prendre un autre sort. Parce que j'ai regardé, c'est quand même le sort conseillé. Enfin, un des sorts conseillés. Mais enfin... Il laisse passer une chauve-souris sur deux, quoi. Peut-être une idée, peut-être qu'il faut pas que je saute parce que c'est quand je retombe. Alors peut-être que je vais trop vite pour le bouclier justement quand je retombe. Peut-être que c'est ça en fait. Je vais essayer. De vraiment ne pas sauter quand il y a les trucs. Ça m'a l'air de marcher. Merde. Bon, là je saute. Là je me mets vraiment sur le bord de la plateforme. Et je saute pas. Là, mon bouclier a l'air de me défendre, merde, assez efficacement. Là, je me fais toucher une fois par lui et je suis mort. Hein. Soyons honnêtes. Je pense que j'ai trouvé une technique qui est pas mal, franchement. Alors, elle est plus longue, hein, parce que du coup, je peux pas... Faut pas que je bouge et il faut que j'attende de le faire venir à moi, mais... Franchement, si ça peut me permettre de battre Dracula, parce que ça fait un moment quand même que j'essaye... Oh non! Bon. Si je perds maintenant, de toute façon, je sais que je peux réutiliser cette technique... C'est une technique qui est quand même plus sûre.
Là, je m'interdis vraiment de bouger. Hein. Je veux dire, 88 HP. Si jamais je meurs maintenant, eh ben, c'est mort. Enfin, si jamais je me fais toucher, je meurs. Mais je peux faire un ou deux dégâts à chaque fois, c'est... Honnêtement, c'est pas si mal. Là, j'ai fait 3 dégâts, tu vois. 3 dégâts, sachant que j'ai 50 passages à faire. Merde. Bon. Ouais, là, c'est mort, hein. Mais voilà, si je continue à compter... Je sais que c'est pas vraiment le moment pour compter, mais bon. Donc, oui. Deux... En fait, déjà rien que deux coups par passage, ça laisse que 25 passages. Enfin, ça fait un moment maintenant que bah, je défonce l'œil sans qu'il me défonce. Je peux pas d'ici, non, je peux pas. Eh ben. Ouais, à partir d'ici, je peux faire juste ça. Pour ne pas subir les chauves-souris qui pourraient venir. J'aimerais bien savoir quand même quel est le nombre de points de vie restants à l'ennemi. Ça, ce serait sympa. Oh! Est-ce que j'aurais fini enfin Castlevania 2D? It is a wasted effort. C'est un effort en vain. Je ne serai jamais vraiment parti. Aussi longtemps qu'il y aura de la sombreté, de l'obscurité, de l'obscurité du désir dans l'âme des hommes, je continuerai de ressusciter. Et nous serons là pour te stopper, enfin pour t'arrêter. Tu peux parier là-dessus. Oh, il va falloir le reconstruire. Maître, allez-vous bien? Nathan, merci. Tu l'as bien fait. Tu es devenu un chasseur de toi-même. Hugh, je dois te remercier aussi, mais ton entraînement doit recommencer de zéro ou un truc comme ça. Je sais, père. Je vais m'entraîner. Blablabla. Hé, Nathan. Ouais, ça on s'en fout. On sent bien qu'ils sont assez rivaux tous les deux.
Enfin, amis mes rivaux, quoi. Le générique. Oh mon dieu. Alors, histoire que vous sachiez, parce que vous allez voir qu'une vidéo de, je sais pas, 20-30 minutes, ça fait environ 2 heures que je tourne. Le tournage de cette vidéo a pris plus de 2 heures. Dont environ 1h30 à essayer de battre Dracula, mais franchement, une fois qu'on s'en compte que si jamais on bouge pas, on est quasi invincible, bah en fait, ça va très vite, ça facilite vachement le combat. Bref, alors, pour faire un bilan quand même de ce jeu au niveau du let's play. Enfin, franchement, c'est un let's play que j'ai beaucoup aimé faire. Là où il y a des jeux que j'ai beaucoup aimé, et finalement, en let's play, ça a été relativement moyen, je pense. Typiquement à Metroid Prime, qui traînait un peu longueur. Il y avait aussi, il y a toujours même Super Paper Mario qui est un peu, qui traîne un peu longueur parfois, et que je prends moins de plaisir à jouer tout seul qu'à faire un let's play. Je prends quand même du plaisir à faire un let's play. Mais, disons que, étant donné que faut, dans un let's play, vous savez, il faut toujours, faut pas trop qu'il y ait de temps mort non plus, sauf que il y a des jeux qui sont excellents mais où il y a quand même pas mal de temps mort, des moments où il y a rien, pas grand chose à dire finalement, et des moments où on s'amuse mais où à regarder c'est pas forcément intéressant. Là, Castlevania, je trouve que c'était un jeu qui était quand même intéressant à faire de bout en bout, et j'ai beaucoup aimé le faire. Donc je pense qu'il y aura certains jeux, enfin je reprendrai, je referai de temps à autre un, enfin je referai les... Je vais finir cette phrase un jour. Je ferai les Castlevania en 2D, ben en mode Metroidvania, quoi. Je pense que ça sera sûr. Donc, congratulations, you get Magician's Password Fireball. Please input it on the name. Ok, donc ça, du coup, c'est le mot de passe. Donc, Fireball, c'est le mot de passe pour débloquer le mode magicien. Donc, on le rentre à la place de notre nom et ça débloque le mode magicien. Alors, le mode, je sais pas si j'ai expliqué les modes dans une vidéo précédente, mais au pire, je les réexplique maintenant. Il y a 5 modes. Donc, là, j'ai fait le mode tueur de vampire, donc Vampire Killer, qui est le mode de Paz. Là, le mode magicien, la différence, c'est qu'on a moins de force, on a moins de défense. Par contre, on a beaucoup plus d'intelligence, donc de magie et de magie. Enfin, on a plus de magie et plus d'intelligence, donc de force de frappe en attaque magique. Et surtout, on commence avec toutes les cartes DSS. On n'a pas besoin de les récupérer, ça, c'est vachement intéressant. Donc ça c'est pour le mode magicien. Une fois qu'on finit le mode magicien, on a le mot de passe du mode combattant, donc fighter, où là pour le coup on a, je crois qu'on a pas de magie, ou alors on en a très peu, mais il me semble qu'on en a pas. Par contre on a beaucoup plus en attaque et en défense, et donc là bon bah c'est, on a une grosse force de frappe. Là typiquement c'est ce mode là, le mode comment, le mode combattant, qui est le plus à même typiquement de battre la Battle Arena. Mais du coup, il faut refaire une partie à part. Que dire de plus? Bah du coup, à la fin du mode Fighter, on débloque le mode quoi déjà? Le mode Shooter, donc tireur, un peu mode tireur d'élite en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on a un petit peu toutes les statistiques de BC, sauf peut-être la force, mais par contre, on a énormément de cœurs, enfin énormément, on a beaucoup de cœurs. On a beaucoup de cœurs, ce qui fait que c'est un mode de jeu qui vise à privilégier les armes secondaires. Et une fois qu'on finit ce mode, on débloque le tout dernier mode qui est vraiment le mode le plus difficile du jeu, c'est le mode voleur, où là on a à peu près toutes les statistiques de BC, mais par contre on a la chance qui crève les plafonds. Alors là par contre, là où en Vampire Killer on avait 100 de stats partout, en mode chance on a 1600 je crois de chance, ce qui fait qu'en réalité, ce qui se passe, excusez-moi j'ai l'écran qui s'est mis en veille, ce qui se passe c'est qu'on va dropper des objets sur à peu près tous les ennemis il me semble. Je crois que ça va être plus rare de ne pas dropper d'objets que de dropper des objets. Je veux pas trop m'avancer, mais bon, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Ce qui fait qu'il faut farmer ensuite les potions, les viandes, les ci, les là, pour pouvoir vraiment s'en sortir dans des combats importants. Hop là, donc ça c'est bon, j'ai compris. Hello! Et je pense qu'on va revenir à l'écran titre. Parfait! J'espère que ce let's play vous aura plu, parce que bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, moi il m'a beaucoup plu. Voilà, et là, Data Select, et c'est là, si jamais on fait un new game... Bah d'ailleurs, il est juste... Ah, ça c'est pas mal. Une fois qu'on débloque les différents modes, ils mettent le mot de passe. Dès qu'on débloque un mode, ils mettent le mot de passe, histoire de... Si on l'a oublié, on l'a quand même. Ça c'est pas mal. Et du coup, si là, à la place de Kalten, je tape Fireball, je devrais pouvoir commencer l'aventure en mode magicien. Du coup, ça fait quand même une rejouabilité assez exceptionnelle, surtout pour l'époque, j'ai envie de dire. Et voilà, en ça le jeu est vachement bien foutu.
Donc, si jamais ce jeu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à la commenter si jamais... Attends, j'ai dit quoi ? Non, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez me suivre sur YouTube. La semaine prochaine, bah du coup, ce sera pas Castlevania Circle of the Moon, ce sera un autre let's play que pour Confidence, j'ai déjà commencé à tourner. J'espère qu'il vous plaira beaucoup parce que c'est issu d'une licence de jeux vidéo que j'adore énormément et que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et en tous les cas, bah, du coup, ce sera pour vendredi prochain. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Twitch ou Twitter ou à rejoindre le groupe Discord. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la première partie d'un nouveau Let's Play. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao !